Pensez à avoir un rythme régulier, à être régulièrement au-dessus de vos pieds entre chaque obstacle. Soyez en équilibre entre chaque obstacle. Ah, elle a trébuché. Non. Ah, pas fait gaffe, t'as mis tes pieds. Voilà. Vous gardez un rythme régulier. Dès que vous pouvez, en équilibre, top. À chaque réception, on se recale au-dessus de ses pieds pour alléger le dos des chevaux. Wouhou. Putain, le saut. Non. Qu'est-ce qui s'est passé, Franck? Ah, encadre dans tes deux mains. Elle saute tout. Voilà. Grandis là. Ça fait pas si peur que ça de passer là-dedans. Voilà. Tranquille le contrebas, tranquille. Voilà. Voilà, faut bien tourner, voilà, comme elle. Voilà, grandis, tu prends, tu relâches. On va d'accord. Les tonneaux, on les avait pas vus pendant la détente. C'était ça. C'est ta mère qui a choisi les tonneaux. C'est pas bleu, hein, Florie, hein. Garde dans tes jambes. Voilà. On se redresse. Ok. Ah, il y a quelqu'un d'autre qui peut se lancer. Bah, il va falloir que tu me mettes des jambes. Il ne faut pas qu'il rebasse trop, il ne faut pas qu'il se pose de questions. C'est toi qui dois l'envoyer en avant. Bah, comme le CSO, hein, c'est, il va essayer. Mais il faut que tu sois ferme et que surtout que tu le mettes bien en avant de tes jambes, qu'il soit concentré sur ce qu'il fait et pas sur les copains. D'accord? Vraiment ça. Elle refait un tour en fait. Hein? Si vous préférez, oui, hein, et faire tout le tour et revenir. C'est pas. Pour moi, c'est pas plus facile. Après, oui, hein, vous pouvez. Vous pouvez. Hein? Ouais. Ouais, il y en a une fille, ouais, Maglone. Bah oui, il y a un trou. Parce que je comptais vous le faire passer, mais après, dans un autre petit parcours. C'est pour ça que je fais par petit parcours. Après, on aura la haie bleue. Bon, ok.